Paris se montre aux Tahitiens, une cinquantaine de personnes venues de l'île d'Ouaïné, située à 175 km au nord-ouest de Papeete. Les deux communes consomment cette semaine un jumelage officialisé le 15 septembre dernier. Et c'est forcément un marathon que leur a concocté l'équipe d'Alain Lazare. Visite d'élevage, des installations communales et ce matin, immersion dans le monde des producteurs d'aliments pour animaux. Pour les poulets Oui, oui. C'est un peu gros là, non ? Il y en a qui traînent, il y en a qui traînent concassés. C'est à peu près la même similitude de commune. Donc, c'est très intéressant pour des échanges, comme je dis, culturels, économiques et surtout dans le domaine agricole. Ces échanges au niveau local peuvent permettre de déboucher au niveau territorial sur des échanges économiques à terme. Nous sommes à la tribu de Nassira au pied de la transversale menant à Tio. Coutume et bonjour sont le lot quotidien ici, mais la plupart des Polynésiens présents n'ont jamais assisté à ce genre de coutume. C'est assez impressionnant, d'autant plus qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de coutume, cette tradition qui existe encore aujourd'hui. Une joie de voir d'autres gens ailleurs, ici chez nous. On occultera ici, bien sûr, la troisième mi-temps, celle qui rapproche le plus les habitants de cet océan le plus vaste du monde.